Un bouvier des Ardennes. Là, une race très, très, très confidentielle. On en voit très, très peu. Et une très vieille race, pourtant. Un bouvier des Flandres. Voilà, c'était le bouvier australien. Et là, on a une race vraiment très, très, très rare, le bouvier des Ardennes, une très vieille race qui a été, on peut dire, reconstituée parce qu'elle avait disparu par quelqu'un qui s'appelait Monsieur Dambrun, un Belge, qui a vraiment consacré une grande partie de sa vie à la renaissance de cette race qu'on trouvait dans les fermes en Belgique autrefois. Voilà, vous pouvez les applaudir, hein, ça vous permet de voir un petit peu toutes ces races de chiens qui sont, c'est un patrimoine de la France, puisque la France a à peu près une soixantaine de races qui lui appartiennent en propre sur les 300, plus de 350, 360, quelque chose comme ça, qui sont répertoriées par la Fédération Cynologique Internationale. Et là, nous avons un bouvier des Flandres. Un très bon chien de garde, un très bon chien de troupeau aussi, si on se donne la peine de le faire travailler sur troupeau. Et nous passons maintenant au berger roumain des Carpates, un bouvier des Flandres. Un Grenendal. Une des quatre variétés de berger belge, suivie par une autre variété de berger belge, un Lequenois. On passe maintenant au bouvier des Flandres, une race franco-belge, qui était très populaire dans les années 70-80, dont la popularité a un peu décliné. C'est un chien qui demande un petit peu de doigté dans l'éducation, qui a un caractère assez fort. Et nous passons maintenant au berger belge avec ce...